le parc ne créera pas d'emplois sur le territoire. En juillet 2020, Elmarine a confirmé la mobilisation des premiers emplois directs en France. 750 dans l'usine Siemens Gamesa du Havre, 250 dans les ateliers de Navantia Windar et de leurs sous-traitants, et une centaine d'emplois dans le futur port de maintenance.